Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour vous installer dans cette pratique de Yoga Nidra. Tout le temps, tout l'espace dont vous pourriez avoir besoin. Paume des mains tournées vers le ciel, les jambes écartées à la largeur de votre tatami. Un espace de vulnérabilité. Un espace d'accueil. La conscience, le corps au repos. L'espace du Yoga Nidra, un espace d'accueil, un espace de guérison. Un espace de guérison. Et alors que le corps repose sans produire aucun effort, je vous invite à prendre contact avec le bout de la langue. Apportez votre attention, votre conscience spécifiquement sur le bout de la langue, le dessus de la langue, l'arrière de la langue, les côtés de la langue, toute la langue, comme si la langue pouvait se déposer dans la bouche, comme si la langue changeait de forme, que la langue lourde tombait dans la bouche, et qu'avec cette langue au repos, cette langue en retrait, ce sont toutes les voix, tous les jugements qui peuvent peu à peu disparaître, comme un état de conscience particulier, comme un état de conscience qui lâche ce qui est lourd, qui lâche le poids des voix, des juges, de ce qui exige, de ce qui attend, des résultats, des actions. De quitter le faire pour rentrer dans l'être. La langue au repos, la langue en retrait. Et alors que les voix peuvent peu à peu disparaître à l'arrière-plan, je vous invite à porter votre attention sur votre respiration, de pouvoir observer quelle est la durée de vos inspires, quelle est la durée de vos expires présentement, alors que vous reposez au sol sans produire aucun effort. Et alors que vous avez les yeux fermés, les yeux clos, je vais vous inviter sur les prochaines inspirations à pointer les yeux, le regard sur la gauche. Sur l'inspire, les yeux tournent sur la gauche. Et sur l'expire, les yeux roulent, tournent vers la droite. J'inspire, les yeux roulent sur la gauche. J'expire, les yeux roulent vers la droite. Comme ça, quelques instants. Laissez les yeux revenir à une posture neutre, à une position neutre. Et à présent, sur les prochaines inspirations, lorsque vous inspirez, les yeux roulent vers le point entre les deux sourcils, en direction du ciel. Et sur les expirations, les yeux roulent en direction du cœur, en direction d'un lac, le lac de votre cœur. J'inspire, les yeux s'élèvent vers le ciel, vers le point entre les deux sourcils. Et sur l'expire, les yeux roulent vers le cœur, vers cet espace de lac. Inspire, les yeux roulent vers le ciel, vers le point entre les deux sourcils. Expire, les yeux roulent vers le cœur, vers ce lac. Laissez les yeux revenir à une posture neutre, à une position neutre, et l'attention, la conscience qui à présent peut se déposer, flotter dans le lac du cœur. La conscience, l'attention qui flotte à la surface du lac, un lac rempli de poissons aux mille couleurs. Un lac rempli de poissons aux mille couleurs. Autant de petits protecteurs fluides qui se faufilent dans l'eau, conducteurs des émotions, des pensées, de tout ce qui est fluide dans votre corps. Vous flottez dans un lac paisible, encadré, entouré par des millions de protégés, tous ces poissons aux mille couleurs. Et alors que ces poissons aux mille couleurs tournent autour de vous, vous protègent, est-ce que vous pouvez observer que la température de votre corps est très exactement celle de l'eau ?
qui vous entoure, à tel point que les frontières entre les contours de votre corps et l'eau deviennent parfaitement similaires. Il n'y a plus de différence entre l'eau et votre corps. Entre votre corps et l'eau, l'eau et votre corps ne forment plus qu'un. La température 37,2 dans l'eau, la température 37,2 dans le corps. Et dans cette unité, dans cette fusion, et dans l'observation de tous ces poissons aux mille couleurs qui vous soutiennent, tournent autour de vous avec amour, un espace de guérison est là. Un espace de guérison est là, ici, maintenant. Là, maintenant. Là, maintenant. Et dans ce corps qui ne connaît plus de frontières, dans ce corps en fusion avec l'eau, dans l'eau en fusion avec le corps, je vous invite à laisser venir, survenir, sentir l'été, la saison de l'été. Où est-ce que c'est l'été? Quand est-ce que c'est l'été? Par qui, par quoi est-ce que s'est incarné l'été? Quelle odeur ça a l'été? Est-ce que vous pouvez laisser l'été monter en vous dans votre corps? À présent, est-ce que vous pouvez laisser venir l'hiver dans votre corps? Où est-ce que c'est l'hiver? Quand est-ce que c'est? Par qui, par quoi est-ce que s'est incarné l'hiver? Quelle odeur ça a l'hiver? Quelle odeur? Puis laissez filer. À présent, est-ce que vous pouvez laisser pénétrer toute l'énergie de la vie dans votre corps? Où est-ce que c'est dans le corps? Où est-ce que ce sentiment d'existence, de vie existe dans le corps? Quelle image peut survenir avec la vie dans le corps? Par qui, par quoi est-ce que c'est incarné? Puis accueillez, laissez venir quelque chose qui puisse s'apparenter à la mort. Où est-ce que c'est la mort? Quand est-ce que c'est la mort? Par qui, par quoi est-ce que ça pourrait être incarné, la mort? Quelle image peut survenir? En ayant conscience que vous êtes toujours entouré de ces poissons aux mille couleurs qui tournent, se faufilent, vous soutiennent, soutiennent votre flottaison. Puis laissez filer. À présent, laissez venir la joie à vous. Où est-ce que c'est la joie? Quand est-ce que c'est la joie? Par qui? Par quoi est-ce que la joie pourrait-elle être incarnée? Et quel goût ça a, la joie? Quel est le goût de la joie? Le goût de la joie. Et à présent, de pouvoir laisser venir de la tristesse dans cet espace du cœur qui ne discrimine ni l'un ni l'autre, ni la joie ni la tristesse. Où est-ce que c'est la tristesse dans le corps? Quand est-ce que c'est la tristesse? Par qui, par quoi est-ce que la tristesse pourrait-elle être incarnée? Quel goût est-ce que ça a, la tristesse? Quel goût? Laissez filer. Laissez filer.
À présent, est-ce que vous pouvez laisser venir en vous quelque chose de doux? Quelque chose de doux. Où est-ce que c'est dans le corps ce qui est doux? Quand est-ce que c'est ce qui est doux? Et par qui, par quoi est-ce que ça pourrait être incarné, ce qui est doux? Quel toucher est-ce que c'est ce qui est doux? Peut-être le toucher de votre amoureux, de votre amoureuse, peut-être le toucher de votre enfant, si vous avez un enfant. Puis, je vous invite à laisser intervenir quelque chose de dur dans le corps. Où est-ce que c'est ce qui est dur dans le corps? Quand est-ce que c'est ce qui est dur dans le corps? Par qui, par quoi est-ce que cela pourrait-il être incarné? Quel toucher est-ce que ça a, ce qui est dur, rugueux? Puis laissez filer. Laissez filer. À présent, alors que vous êtes toujours dans le lac du cœur entouré par ces poissons aux mille couleurs, je vous invite à visualiser une porte qui est ouverte. Est-ce que vous pouvez emprunter le chemin de cette porte ouverte? Où est-ce que mène le chemin de cette porte ouverte? Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'incertitude? Est-ce que c'est ok de ne pas savoir? Si vous passez cette porte, si vous passez cette porte ouverte, un horizon, ou un mur, quel sentiment surgit lorsque c'est l'horizon qui apparaît? Quel sentiment surgit lorsque c'est un mur? Liberté, résignation, résignation, liberté. Et comment est-ce que c'est d'être bloqué? Comment est-ce que c'est de se libérer? De s'autoriser, de se donner le choix, de se libérer. Est-ce que derrière cette porte, c'est un ami, c'est un ennemi? Un ennemi, un ami. Un ami, où est-ce que c'est dans le corps? Un ami, quand est-ce que c'est? Par qui, par quoi est-ce que cet ami peut-il être incarné? Où est-ce que c'est l'ennemi? Quand est-ce que c'est l'ennemi? Par qui, par quoi est-ce que l'ennemi peut-il être incarné? Et alors que vous êtes en chemin d'avoir passé la porte, un feu vert. Est-ce que j'attends? Est-ce que je passe? Est-ce que je passe? Est-ce que j'attends? Sur mon chemin, un feu rouge. Est-ce que je passe? Est-ce que j'attends? Est-ce que j'attends? Est-ce que je passe? Où est-ce que c'est le feu vert dans le corps? Où est-ce que c'est le feu rouge dans le corps? Où ça? Quand ça? Avec qui est-ce que c'est? Par qui? Par quoi? Est-ce que cela pourrait-il être incarné? Et dans l'espace de ce lac, rempli de poissons aux mille couleurs, et alors que la température du corps est similaire à celle de l'eau, et alors que dans cet espace de guérison, d'observation des tas de conscience qu'incarne le Yoga Nidra, où il n'y a plus de je, où il n'y a plus de moi, et où les obstacles peuvent être surmontés, où les obstacles ont le droit d'exister pour ce qu'ils sont, où la blessure, où la fissure peut être observée sans jugement, où la blessure, la fissure peut revenir sans être pour autant un problème, sans pour autant
solliciter une action, simplement être vue pour ce qu'elle est, et d'accepter sa fonction, son rôle dans votre existence. La guérison, la respiration est toujours là pour vous, et les poissons aux mille couleurs sont toujours autour de vous. Les mille couleurs des poissons, la température du corps égale à celle de l'eau, un corps sans frontières, une pensée sans frontières où le possible devient impossible, l'impossible devient possible, où il est possible de repousser les limites, où ce qui est impossible peut exister, où ce qui est possible peut devenir la solution, la clé. Et s'il existe un obstacle, et s'il existe une croyance qui vous fait du mal, est-ce qu'elle vous appartient ? Est-ce qu'elle vous appartient ? Est-ce qu'elle vous appartient ? Et comment est-ce que ça serait ? Comment est-ce que ça serait ? De faire un pas de côté, de contourner le mur, d'accueillir l'obstacle, de le remercier pour la leçon, de passer au feu vert, de goûter à la joie, au toucher, de ce qui fait mal, et de pouvoir prendre conscience que ce qui fait mal nous permet aussi de mettre en perspective ce qui fait du bien. Du bien. À chaque jour suffit sa peine. Et quand c'est dur, on sait que tout a une fin. Et que c'est la fin d'un cycle comme celui de la respiration qui est toujours là pour vous, comme la guérison. Qui est toujours là pour vous, la guérison, l'amour, dans l'espace de Yoga Nidra où il n'y a plus de je, où il n'y a plus de moi, où la température du corps et celle de l'eau est égale. Tout ça est égal, le feu vert, le feu rouge, la tristesse, la joie, la porte ouverte, la porte fermée, il faut bien qu'elle soit fermée parfois pour l'ouvrir, et il faut bien parfois la fermer quand c'est nécessaire, d'établir un cadre d'émotion, un cadre de pensée, un cadre de sécurité. Vous êtes en sécurité dans cet espace de Yoga Nidra où tout est possible, le possible devient impossible, l'impossible devient possible. Dans l'espace de conscience du Yoga Nidra, dans l'espace du cœur qui ne discrimine ni l'un ni l'autre, ni le feu rouge, ni le feu vert, ni le feu vert, ni le feu rouge, ni la joie, ni la peine. Ni la vie, ni la mort, ni la mort, ni la vie. Ni le noir, ni le blanc, ni le blanc, ni le noir. Et est-ce qu'il n'est pas bon de respirer là, dans ce lac, aux mille poissons, aux mille couleurs ? Vous êtes aimé, vous êtes désiré. Vous vous aimez, vous vous désirez. Profitez de la profonde relaxation dans laquelle vous vous trouvez. Profitez de ne plus sentir la différence entre la température de l'eau et la température de votre corps. Le corps, l'eau, l'eau, le corps. Et peu à peu, les poissons aux mille couleurs se regroupent. Et vous ramène petit à petit aux berges du lac du cœur, vous ramène aux berges du lac. Tout doucement, vous commencez à sentir le contact, le toucher de ces mille poissons aux mille couleurs. Les couleurs du bonheur. Le bonheur de revenir aux berges d'un état de conscience plus quotidien. Les berges, la langue qui se réactive quelque peu, les papilles, vous pouvez petit à petit, comme faire rouler la langue dans la bouche, refaire émerger ce muscle puissant de la langue dans la bouche.
et les yeux qui aussi peuvent rouler, tourner, circuler, comme si ils représentaient la forme de ce lac, le bonheur à portée de main. De pouvoir apprécier l'existence de cet état, de pouvoir accepter, aimer l'existence de cet espace, un espace de conscience plus quotidien, plus connu, et lentement, lentement, lentement de laisser les poissons vous laisser à bon port, de les remercier, de leur glisser un sourire, et de pouvoir repartir sur votre chemin rempli de portes, de feux rouges, de feux verts, et tout doucement de laisser réémerger du mouvement, depuis la langue, depuis les yeux. Et puis ça se diffuse dans tout le corps et on peut bouger les chevilles, les pieds, la tête et chacun, chacune à votre rythme, à votre manière personnelle de revenir en roulant sur un côté ou l'autre. Cette pratique de Yoga Nidra est à présent terminée. Je vous remercie pour votre écoute.